Deux choses me sont venues à l'esprit immédiatement comme désir. L'un, c'est chorégraphier le quatuor à cordes de Claude Debussy. Et le second, c'est retourner à Siwa. Siwa est une oasis égyptienne qui est au sud de la Méditerranée. Il y a des grands lacs qui sont, par temps calme, des reflets parfaits de ce que l'horizon présente. Donc c'est toujours une image double. Et là se trouve, dans la naissance du soleil ou son coucher, quelque chose comme un dialogue entre l'homme et l'éternité. La pièce repose notamment sur l'opposition entre variabilité et permanence. La variabilité est confiée à la danse et aux danseurs, évidemment. La permanence, essentiellement, sur la scénographie, qui est un grand écran sur lequel est projeté le coucher de soleil double de Siwa, qui est une merveille absolue que j'invite chacun à aller voir.